Qu'on appelle des quatre fédérations, cheminote, CGT, CFDT, UNSA, Sudrail et localement avec FO en plus, nous sommes sur un mouvement reconductible et donc comme tout mouvement reconductible, les cheminots donc, se positionneront tout à l'heure lors d'une AG de 8h à 9h et chaque jour, par période de 24 heures, voteront pour ou contre la reconduction du mouvement au vu de l'état des forces et un peu des mobilisations dans les autres professions. On est satisfait aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, les manifestations sont massives, les gens massivement rejettent et tous les sondages le démontrent, malgré le battage médiatique que veut faire le gouvernement, que les citoyens dans leur ensemble ont compris que cette réforme était injuste et injustifiée. Donc il y a des très fortes participations qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Maintenant, il faut absolument que voilà, les 80-90% de citoyens qui sont opposés à cette réforme démontrent leur opposition par leur participation massive lors des manifestations. Et ça sera le cas encore aujourd'hui, on l'espère, avec une manifestation très large et un très beau 7 mars.